Salut à tous, on se retrouve sur Project Ozone. Donc, la dernière fois, j'ai. Je sais plus si je vous l'ai montré, je ne crois pas. J'ai fait Erebus Portail. J'ai regardé une vidéo sur YouTube. Le mec, en fait, il faisait un. Il faisait pas ça, il faisait un carré. Un carré de. Un ici, hop, ouais, juste comme ça, hop, 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 il mettait de la stone brick, ça, la stone brick où j'ai fait les trous là, sur deux de haut, des slabs et ça au-dessus. Et en fait, j'ai testé comme ça a pas marché. Donc, j'ai traduit le texte du bouquin et c'était comme ça. Donc, on va y aller vite fait. Un petit point. Donc les rébus, on va juste les rébus, c'est des blazes qui me tirent dessus comme d'hab. J'ai fait un peu de tour pour essayer de trouver Tarantula. Donc Tarantula là et là-bas. Donc il y a pas mal d'animaux, ben, de bêtes. Ils sont tous agressifs, hein. Donc là il y a des espèces d'araignées d'eau. Il y a un crush-rum, crush-room, ah non, mais là je l'entends. Donc on va essayer de le trouver, vous montrer un peu ce que c'est. Ma crue, c'est pas compliqué.
s'il s'appelle comment, c'est Antlion. Voilà, c'est lui, il se trouve dans un monde de lave comme ça, mais il faut trouver sa pyramide. Et personnellement, j'ai fait le tour, hein. J'ai tourné, j'ai tourné, j'ai tourné. Mystère et boule de gomme, où qui peut être? On va juste redescendre un étage, voilà. Voilà, donc Tarantula, elle est là. Donc là, on peut voir, il y a des criquets ou des sauterelles, je sais pas. Des espèces de scarabées, voilà, des scarabées, là, des mille pattes, ou je sais pas. C'est un peu chelou. Donc Tarantula est là-haut. Moi, je vais pas passer par par le milieu, je vais plutôt passer par là. Donc là, je peux plus la toucher avec mon arc. Donc en dessous il y a aussi des choses, hein. Si vous voulez on peut aller voir. Donc encore des araignées. Oui, c'est vrai, il y a un spawner. Hop. Ah mais lâchez-moi la grappe. Donc dans les coffres, il y a des boucs. Épée. Squelette, j'aurais voulu le prendre. Voilà. Donc, je suis un peu rempli de bordel. Donc si on est, si on descend encore, il y a encore un étage. Ah mais lâchez-moi, crotte de bique. On va casser les spawners. Hop. Donc, on peut leur faire la fête. Hop. Donc, exo, des pierres de jade. Hop, une pelle, exoplate. Ça, j'ai jamais vu ce quoi cette bête. Elle s'est barrée sous la terre ou quoi? Ok. Donc, bah, Tarantula, elle est faite.
qu'on va juste. Hop. Ça, j'en ai pas besoin. Je m'en fiche. Je m'en fous. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Les champignons à la poubelle. Ça aussi. Voilà. Donc, tarantula est faite. Le bug. Ouais, de réservoir tank. Ça vaut pas grand-chose. Une tarentule est faite. Moi, de mon côté, hors caméra, je vais essayer de trouver la l'autre partie. Les autres morceaux de boss que je dois tuer. Le portail, c'est là-bas. En fait, c'est un truc comme ça, et en fait, à un moment, il y a une espèce de grande pyramide. Et là, on peut voir, il y a encore une grosse araignée là. Voilà. C'est pas que les mobs, ils me dérangent, mais ils me plaisent pas trop. Je suis pas trop fan. Je regarde un peu avec vous histoire s'il n'y avait pas le temple, non? Mais bon, ici j'ai fait beaucoup le tour, hein. J'ai tourné, histoire de découvrir où que ça pouvait être. Parce que là, si on regarde, oh, ouais, c'est vraiment plus fort comme ça. Et j'ai découvert loin, sans trouver le temple. Donc c'était un peu dommage. Esquive tout ça. Hop, les arbres. C'est beaucoup de la forêt. What? Pourquoi le son qui se déclenche d'un coup? 120 blocs. Se sauve. Voilà un peu Erebus, c'est un peu le bordel partout. Hop. Donc Erebus c'est fait, on va mettre le flore, salade d'ange, adouci, exo, les trucs. Voilà. Donc Erebus c'est fait, ma Tarantula c'est fait. Les autres, faut que je trouve. Donc, je sais pas où ça peut être. Je voulais aussi finir ça. Donc, les gemmes book, hot. J'ai trouvé comment on faisait. Donc, j'ai refait une nouvelle salle en dessous. Bah, en dessous de. Donc j'ai créé, j'ai regardé sur internet comment on faisait pour que ça marche, et en fait c'était marqué dans le bouquin. Donc j'ai fait ça pour avoir cette cascading synthétiseur. J'ai fait des aura storage projectile aura pimp et illumination aura pimp. Donc là en fait. Là on voit il y a phase 2000 mach 2000 des patates et là 2000
Lui, on lui envoie une flèche sur le côté. Sur le côté. Là, tout doucement, on voit la power, il monte. Donc, dès qu'il arrivera à 10 000, ça me fera une phase de progression 11 sur 50. Donc ça, faut que j'ai toujours les time lapse lift. Dès que je suis à 5, je peux les renvoyer à 19. Donc là, hop, je suis à 11, 12. Voilà, 15. Donc là, bah, le temps que ça se fait tranquillement. C'est quand même compliqué ça, ce truc là à comprendre. Donc là je suis à 25 déjà. Hop. C'est eux qui me font le plus gros du travail en gros. Eux ils m'aident mais voilà quoi. Donc là je suis à 42. 43, 44. Voilà, et là j'ai eu un. On va le mettre là. Unjusting of the fitting degree. Un truc comme ça. Donc, heureusement pour moi, il y a du EMC. Donc j'ai. J'ai fait. J'en ai pris en masse. Hop, donc. Angel. Hop. 5, 6, 1, 2, 3. Voilà. C'est le pur là-haut. Qui est pas mort. Ouais, c'est mort. Alors, quand on en jette 3 par terre. Des bases, c'est des Angel of the First Degree. T'en jettes 3, ils me font un second degré. Mais par contre, il n'y a rien. Ok. Hop. Donc là, on voit, ça fait des flammes dans tous les sens. On va attendre que les flammes s'arrêtent. Et on va voir qu'est-ce que ça va nous donner. Donc voilà, les flammes sont finies. Hop, je descends. Donc là, ça m'a donné un fort degré, un 7 degrés et un 5 degrés. Donc là, 5, donc 5 degrés, 6, 7, 8, 9, 10, ainsi de suite. Donc second, quand tu les envoies par terre, 3 secondes donnent un 3 degrés. 3 degrés te donne un 4 degrés, 3, 4, ça donne un 5, et 3, 5, ça donne un 6. Et ainsi de suite jusqu'à 11. Donc j'ai fait ça en masse. Hop, on peut voir. Hop, ici. Donc 6, 3, secondes, 4 et 7. Donc 7. Et oui, je connais mes chiffres en anglais, ça c'est un truc de ouf. Donc bah, je les ai fait. Ils sont dans. Donc ça coûte 7 millions de MC à 11, donc un 11 demande 7 millions. Mais, Gem Book, donc, Gem Book, il m'en faut 4 et 8, puisqu'il m'en faut 2. D'accord, donc on va en prendre 8. Voilà. Hop, on les met dedans. Un, deux. Et le reste, on les a. Plus 100% speed. Ce qui est pas négligeable. Donc ça c'est fait. L'amulette c'est
ça, j'en ai en masse. Je m'en sers pas plus que ça. Ouais, il reste 20, 10 minutes en gros. On va faire ça, draconique comme ça. Ça, je le faudrait que je regarde, mais c'est chiant à faire. On va faire draconique. Donc, draconique. C'est Charm of Dislocation et un de ce truc bidule chouette. Les dislocateurs. Ok. Je crois que c'est ça. Chance of Disloc et ça. Ouais, ok. C'est bon, c'est ça. Donc, draconique. C'est de. Donc le bambou, j'en ai fait ça. Ça, c'est pas mal, ça. J'aime bien. Hop. J'ai pas un levier quelque part. Bon. On prend un levier. Donc je vais vous montrer un peu ce que c'est cette. Merci. On va le poser, je sais pas, on va le poser là. Donc là, on a 6 emplacements pour poser des barrières, des ponts en gros. On pose un levier et il va t'installer. Là, je vole plus, regardez. Hop, là, je vole plus. Et on peut marcher dessus. J'aurais rempli ça jusqu'au bout. Ben, 64 x 6. Il aurait été jusqu'à la montagne qu'on voit sur le côté là. Là. Et. Dès qu'il touche un obstacle, il s'arrête. Donc ça, c'est pas mal pour faire des plateformes. Des... C'est excellent, ça, j'aime bien. Et dès que on enlève, ça rétracte, mais ça te casse pas des barrières. Donc ça, c'est cool. Ok, casse la baraque. Donc ça, j'aime bien. Je fais ça vite fait. J'avais un ami qui était à la maison. J'ai un peu montré le truc. J'ai les retransformés en lingots, ce qui servait à rien de faire ça. Donc hop 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 hop, j'ai ça, ça c'est super. Une draconique et tout ça. Ça j'ai quoi qui me manque? Ok, cette partie là, ça il me faut 4, 3, 4, hop, donc ça. Ça, je pense que c'est les portails ou un truc comme ça de draconique. Hop, ouais, solar générateur. Voilà, attends. Ça va te promener. Hop, voilà. Non, book. Donc, il me faut une armure complète de Evern Core. De chaque. J'ai juste remarqué. Draconique. Il me faut une armure complète. Donc. 1, 2, 3. Ok, il me faut 4 comme ça. 4. Donc la tête. Et il me faut ça. Ok. Donc 4 comme ça. 17. C'est quoi que j'ai pu? Je sais pas. Donc ça. Bloc de redstone. Pas de soucis, Maurice, je t'en fais
autant que t'en veux. Voilà. Donc 1, 2, 3. La tête, c'est fait. Le plastron, c'est bon. Le pantalon, c'est ok. Et les bottes, magnifique. Donc c'est ah oui, il me faut un Inès capacitant. On va juste. Hop, merci. Alors, Draconique. Voilà. Ça, j'ai tout ici. Donc, il me faut un flux capacitant. Fou! Ok. J'ai plus de restone. Peut-être en bloc. Ouais. Voilà, parfait. Ça va pas m'énerver ça. Voilà. 1, 2, 3, 4. 4 et ça. Donc ça j'ai. Ça. Ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Ça demande beaucoup de ressources. C'est un truc. Ok, donc ça, 1, 2, 1, 2, c'est tout? C'est quoi qui me manque? Evening Energy? J'en ai plus du tout? Ah si, j'en ai un, donc il faut que j'en fasse 3. Ça c'est bon, ça et voilà. Donc ça c'est bien, j'ai bouffé énormément de, j'espère que je vais en avoir assez. Donc ça c'est fait. Ok, donc il me faut l'armure. Excusez-moi, un chat dans la gorge. Donc 1 2 3 4 4 comme ça. Donc 16 comme ça. Je suis 6. Hop. J'ai plus de draconium. Ok. Moi qui pensais que ça allait suffire.
Pas du tout. Ah oui, parce qu'effectivement, ça me bouffait tout ça aussi. Bon, faire qu'un 45. C'est rapide. Aston Furness. Tout, 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 tout. En attendant, on va ouvrir ça. Wow, super. Ok. Donc ça, je sais même pas si j'en ai fait. Draconium, comme ça. J'ai plus rien du tout. J'ai plus rien du tout. J'en ai déjà deux. Alors, ça, ça. Faudra ça, ok. Donc je pense, hop, on va juste stocker tout ça. Ça, je vais voir. Normalement, je dois l'avoir assez. Je vais me foutre à FK. Non, c'est là. C'est même pas là, de toute manière. C'est là-dedans. Je vais me foutre à FK avec mon arrosoir. Au-dessus des plantations. Et. On verra le reste la prochaine fois. Donc avec ça, ça va aller vite. Très très vite. Je vais en faire, je sais pas, 600 ou 700 lingots. Et puis voilà. Donc nous, on va se laisser là. Donc bah, on aura un petit peu avancé. Mais voilà quoi. C'est pas... Faut pas aller trop vite non plus. Hein. Parce que là, c'est vraiment la fin de la fin qui est dur, donc ça je sais qu'il faudrait que j'aille dans la lune, il faudrait que je fasse ça, donc ça on fera ça ensemble la prochaine fois. Ça faut que je les trouve, ces deux-là là. Il faudrait que je regarde comment on pourrait les voir. Il faudrait qu'on fasse les seeds ensemble, qu'on finisse ça. Donc bah, il y a encore quelques épisodes hein, à faire largement. Donc moi je vous dis à la prochaine et salut à tous!